Il y a le contexte sanitaire qui est toujours là. La France s'en sort plutôt bien par rapport à ses voisins en ce moment. Néanmoins, le chef de l'État, puis c'est le sens du message du gouvernement depuis quelques jours, quelques semaines, il ne faut pas relâcher les efforts. Il y a le dernier protocole sanitaire pour les entreprises, je crois, date de début septembre. Est-ce qu'il y a, à l'instar des décisions au jour le jour qui peuvent être prises pour l'école, un nouveau protocole sanitaire pour les entreprises est envisageable dans les jours ou les semaines qui viennent ? On n'a pas prévu de modifier à ce stade de protocole, qui est un protocole exigeant. Je rappelle par exemple qu'en entreprise, on doit porter le masque dans tous les espaces de travail clos et partagés, qu'il faut respecter les gestes barrières. Je pense qu'il y a eu un certain relâchement ces derniers mois. Avec le port du masque. Notamment sur le port du masque. Il faut que chacun se remobilise. Ça fait partie, avec la vaccination et le pass sanitaire, des armes qu'on a pour lutter contre l'épidémie, pour pouvoir garder une activité économique normale malgré cette cinquième vague. Donc moi, j'appelle chacun à se remobiliser. Et puis, on va renforcer les contrôles de l'inspection du travail sur le respect de ce protocole sanitaire.